Bonjour, bonjour. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour un petit défi. Alors, on va recommencer du 1er au 12 janvier. Un petit défi pour préparer une année magnifique. Alors, on sait tous qu'on a vécu une année 2020 un peu mouvementé, un peu dans la tempête, comme on est ici en ce moment, avec beaucoup de vent, beaucoup de remous, beaucoup de, ben voilà, de tempête. On a eu une année un peu mouvementée, avec des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, du tout, du tout de vivre, où on n'aurait même pas peut-être imaginé que ça puisse exister. Et puis, ben, on l'a vécu, on en est sorti, on est toujours là, pour la plupart de nous. En tout cas, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes là. Et alors, je vous propose, pour ce début d'année, en collaboration avec Maryse, mon amie, on va vous faire un petit défi de 12 jours pour préparer une année 2021 avec de la douceur, de la gratitude, de l'amour. Et on va essayer de voir avec de nouvelles lunettes les choses d'un autre œil et d'une autre manière. Et essayer d'être sur une mer un peu moins agitée que ce qu'a été 2020. Et donc, pendant ces 12 jours qui vont représenter les 12 mois de l'année, donc le 1er janvier, le 2 février et ainsi de suite jusqu'au 12e jour et jusqu'au mois de décembre. Et donc, chaque jour, on va vous proposer d'analyser votre journée, de voir ce qu'elle a été et ce qu'elle pourrait être avec de nouvelles lunettes et une façon différente de voir les choses. Alors, on se retrouve le 1er janvier pour un petit défi particulier et en collaboration, parce que je pense que les années à venir seront des années de collaboration et où chacun devra poser sa petite pierre à l'édifice et en tout cas être dans la joie, la bonne humeur, l'enthousiasme et partager avec d'autres sa manière de voir les choses et de vivre les choses. Et donc, je vous retrouve très vite pour ce petit défi. Rendez-vous le 1er janvier, en tout cas. Je vous embrasse.